Parlons à présent de cette perquisition dans la résidence du général John Numbi. C'était une véritable cache d'armes. Regardez. Lors d'une descente effectuée par les services urbanisme et habitat, accompagnée par la police militaire de la ville de province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers, dans la commune de la Gombe, une saisie importante des quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres, a été trouvée dans la dite résidence ASE, à la surprise générale de services de l'habitat, constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lenguet, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundoudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos des personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. A noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humains. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Lors d'une descente effectuée par les services urbanisme et habitat, accompagnée par la police militaire de la ville de province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers dans la commune de la Gombe, une saisie importante des quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres, a été trouvée dans la dite résidence ASE, à la surprise générale de services de l'habitat, constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lenguet, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundoudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos des personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. A noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humains. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies.